Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à Montméran pour le MXR Day. C'est une journée que Nico de chez MXR organise uniquement avec les pilotes qui ont détenu MXR. Donc on va se régaler, la piste est folle. C'est un peu sablonneux et j'ai hâte d'être sur la piste. Retour sur ma petite 125 aujourd'hui. J'ai pas roulé avec depuis octobre l'année dernière. J'ai hâte parce que la demi, moi ça va 5 minutes. Et du coup, on retourne dans la terre également. 2h30, on est à Valence, voilà l'hôtel, faire une micro-nuit pour se reposer, fermer les yeux, pour le MXR Day, tomorrow. Je savais pas, enfin, à l'école qui foutait rien avec des trucs comme ça. Je vais y arriver, mais ça veut dire que je travaille à l'école. Salut maman, je travaille à l'école. Bonne nuit les petits. T'es bien réveillé? Moi j'ai un peu qui colle, mais ça va. Tu prends des forces? Non, on va goûter. Je pense qu'il vient pas de la fournée celui-là. On rattaque. Je pense qu'ils peuvent vous donner beaucoup. Hein. Oh non, il peut pas mettre ça, Lucas. Un copain qui a envoyé ça sur le groupe. C'est pour que M2S y prenne exemple dessus. Salut Robin. Bon, ouais, ça a l'air pas mal. Fada. Maillot 9 pour aller avec la déco workshop design. C'est un peu de vent. Il est neuf. On fait tomber au moins une fois. On a fait la sac parce que du coup ben, j'ai récupéré des suspensions. Les miennes sont toujours aux US et je ne sais pas si je les récupérerai un jour. Du coup j'ai récupéré des suspensions neuves. Mika de chez M2S m'a évidemment fait un petit setting qui est similaire à celui de l'année dernière. J'avais bien aimé ce qu'il m'avait fait et vu que je ne suis pas très très exigeant sur ces trucs là, ça va le faire. Petite sac faite, là, beau petit maillot, les petits gants five. Si ça va aller riding. Thank you.
s'amuse. Un jeu, du moins. Les autres, je sais pas. Mais non, c'est là, c'est... Et la terre, c'est dur, j'ai les bras tout béton. Ça faisait, ouais, du coup, comme je disais, ça faisait depuis les US que j'avais pas roulé dans la terre, donc forcément, je m'attendais pas non plus à être incroyable direct. De toute façon, il n'y a pas de but, hein, c'est vraiment juste de s'amuser aujourd'hui. La moto, elle était incroyable, elle était réactive de fou, et en fait, j'ai ouvert le carbu, et en fait, j'avais 20 points en moins, donc là, j'ai remis en gicleur normal en 5,60. Et les suspensions, je pensais que c'était dur et au final c'est juste que c'est moi qui ai merguez. Donc non, les suspensions ça va top, l'amortisseur est vraiment bien et puis je me passe à la fourche. Il y a aussi le fait que tout est neuf, l'amortisseur est neuf, la fourche est neuve, les ressorts sont neufs, donc c'est le temps que ça se passe aussi. Et puis non, par contre la piste c'est vraiment incroyable, de se dire que c'est une piste un peu privée, d'avoir ça, c'est incroyable. Là, je vais aller rouler un petit peu là, parce que là il est 11h15 et il y a la pause à midi, je crois. Yeah.
for the people and break the generational curse. And I just want to never get it twisted. No, I'ma speak my truth. I'ma share my pain, I'ma share my story. You can walk the way with me through the glory. God be the glory. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens vraiment à remercier Nico de chez MXR qui nous a permis de passer une journée de dingue. La piste était ouf et en plus il y avait une entente de dingue entre les pilotes MXR. Je tiens aussi à remercier les personnes qui nous ont accueillis sur la piste. Ils ont fait un taf de dingue pour qu'on puisse, comme je l'ai dit, vraiment s'amuser. Je remercie une nouvelle fois Nico de chez MXR qui me permet d'avoir un style de dingue. Il répond toujours à mes attentes et je sais que des fois je suis un peu chiant sur certaines couleurs, sur certains designs et ceci et cela. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez vraiment des tenues qui reflètent votre image. Vous allez vraiment pas être déçus. Il a un large choix de design et de couleurs. Donc n'hésitez pas à le contacter, je vous mets son Instagram juste ici. Vous avez été très nombreux à me demander mon programme pour cette année 2024. Je l'ai mis sur mon Instagram et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner et suivre toute mon actualité. Je suis un petit peu plus actif sur Insta. Pour ce qui est du programme, il n'y aura pas de championnat de France National 125 malheureusement. J'ai pas réussi à trouver les fonds nécessaires pour pouvoir me réaligner une saison, enfin une nouvelle saison et pouvoir défendre mon titre. Ma saison 2024 sera donc rythmée par des belles courses, des beaux événements, des beaux terrains, des vidéos, des photos. Des tests moto, des tests pièces, des tests équipements, pourquoi pas. Si toutefois il y a des trucs à tester, je serais très heureux de vous partager ça sur YouTube. Je vais essayer de vraiment vous faire du contenu sur les réseaux et j'espère que ça va vous plaire. Je remercie toutes les personnes qui me suivent malgré le fait que je vais pas m'aligner sur un championnat complet. Je vais essayer peut-être quand même de m'aligner sur une épreuve du National 125 cette année pour voir si j'ai toujours un petit peu le niveau et puis ben voilà, pour voir si mon titre je ne l'ai pas démérité, on va dire ça comme ça. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et tout ce qui s'ensuit. Ça me ferait super plaisir, ça me donne de la force et ça me motive à continuer. N'oubliez pas donc de vous abonner également à mon Instagram et à mes réseaux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.